Bon, bonjour les gens. Bonjour les gens. Tiens, aujourd'hui, on va faire du chêne. C'est beau le chêne. Ouais, mais il penche là où il faut pas. Voilà, on penche au-dessus du petit cabanon là-bas. 1, 2, 3, 4. Ouais, 4. 4. Putain, faut au moins être élagueur pour savoir compter jusqu'à 4. Ouais, j'ai fait maths sup, moi. 3 ans de suite, maternelle supérieure. Après, ils m'ont mis au CP, mais j'ai pas suivi. Ouais. C'était trop dur le CP. Alors, waouh. Celui où il y a le lampadaire. Lampadaire, mais c'était moi le lampadaire. Donc celui-là qui penche au-dessus des petits cabanons, on l'enlève. Celui-là qui penche, on l'enlève. Celui-là qui est en train d'embêter celui-là, on l'enlève. Et celui-là qui penche sur la maison, on l'enlève. Qui penche droit sur la maison, on l'enlève aussi. Et on va laisser celui-là qui est bien droit là. Alors il peut pas, il n'a pas mis de branche là, parce que ben, celui-là le gêne. Et non, celui-là le gêne, et donc il va vers la lumière là-bas. Et on va le laisser un petit peu se requinquer, se mettre un peu d'aplomb. Le pied a l'air bon, donc c'est pas mal. Parce que là, ça penche droit, et c'est sur la maison. Là, ça penche droit sur le cabanon là-bas. Celui-là, sur le cabanon aussi. On a ressorti Zozoï de la naphtaline. Un tas de bois, là. Un tas de broyat. Là-bas. Qu'est-ce que t'en penses? Et ça ne va pas être mal. On va y aller. Je vais essayer un petit peu l'électrique. Voir si je vais arriver à m'y faire un jour. Alors, l'électrique, très bonne machine. Très bonne machine. Par contre, pour tous ceux qui en veulent, il faut vraiment que ce soit nous à nous adapter à la machine. Parce que comme on est habitué au thermique, tous ceux qui ont des 200, 201, tout ça, on est vachement habitué à entendre le bruit du moteur. Et à faire donc par rapport au bruit de ce moteur, comme l'électrique, ça ressemble à un couteau à viande. Oui. Et ben du coup, un peu de mal avec le bruit de la machine. Mais on ne désespère pas et on va s'y faire. Et comme là, j'ai un peu de place, je vais laisser la 201 au sol. Voilà, en tenue. C'est super long. Moi, j'ai un Arbor, les chaussures, je suis un Andro. Ceux-là, c'est les pantalons pour le sol. C'est les pantalons bûcherons, les technicales. C'est un pantalon grimpeur, moins épais là. Pour mettre le genou à terre, pour le frottement des branches. C'est étanche. Ah ouais. Ça va quand même bien. Les arbores sont hyper légers. Non, mais ceux-là, ils sont pas lourds. Mais au niveau, je parle au niveau de la tenue dans l'arbre, ils sont quand même hyper légers, hyper fins. Ouais, par contre, ça caille de l'arrière. Alors l'été, c'est très bien, la ventilation. Mais alors là, à cette saison... Mais on a une mini poche, là. C'est pour la lime. Ils sont quand même vachement épais ici, vachement épais là. Ils sont bien renforcés pour la partie sol. Alors nous, ça fait un petit moment qu'on les porte. Et franchement, on est plus que bien à l'intérieur. Oui. Par rapport aux Francital, alors bon, c'était pas les Francital, c'était pas les derniers non plus. Hein. Non. Par rapport à tous les Francital que j'ai essayé, franchement, très très bon pantalon. Donc voilà, c'est pas mal. On a un casque aussi. On nous a offert un casque, mais alors c'est Lidic qui le porte. Oui, parce qu'il va à personne d'autre. Mais c'est surtout qu'avant que tu me vois avec un casque, c'est un casque Petzl. Il y a une réduction de bruit quand même. Après, on verra avec la tronçonneuse. Ventilé. C'est là que moi j'ai du mal parce qu'en fait, ça, pour moi ça descend pas assez bas, il faut que ça descende là. Il est pas mal. Voilà, bon, alors ça c'est pour l'équipement et nous on va y aller hein, parce que si on continue à discuter, ça va pas avancer. Ah, ça avance pas du tout, même. Ça avance pas du tout. Pas du tout. Du tout, du tout. Non, pas allez, on y va. Allez!
joli ça. Ça c'est joli. Pas sous mes cordes. Brian, mais where is Brian? C'est bien, ça c'est pas beau ça, c'était pas beau ça. Eh, c'est bien celui-là qu'il fallait couper, ouais. Oui. Je suis parti, moi. Papa. Oh, c'est beau. Ah mon Damien, attention à ta tête. Dégo, dégo. Oh, dégo, dégo.
Wow! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Elle dit, tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Je s'appelle Groot. Je me désespère tout seul. Et bisous à Groot. Bien, ma fille. Faut que je rentre à la maison. Viens voir, là, il va me le rendre, le jeu s'appelle Groot. Oh, faux départ. Hop là! Ta-ta-ta-ta-ta-ta! C'est pile ce que je voulais faire. Non, je suis d'une mauvaise foi absolue. Ah bah, je finis celui-là maintenant. Je vais enlever tout ce qu'on peut enlever sur le gros, et on fera la rétence demain matin, je pense. Dans le tout moru, in the morning. De morninge. Oh! Ici. La petite entaillounette. Là, ma belle. Au pied, papa, il a dit au pied! Ah, c'est beau ça, hein. C'est beau. T'es chaud à maîtriser avec la petite encoche. Raté. Tu me les brises, toi, là-haut! Coupe, 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 coupe! Todo, todo, ma fille! Ah, mignonne, viens pas me claquer le baigneur, là! Oh, c'est beau ça. Tourne, 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 tourne. Ah, elle veut pas tourner. Doucement. Doucement. Ah.
Allez, Fifi. Ah, sale bête. Joli. Oh, sois Mimi. Pas sur le cabanon. Pas sur le cabanon. Oh, il n'entend pas. Le son, il a du mal à monter. Ah, moi, c'est... Elle est allée s'enquiller là, avec un petit bouchillot de merde. Ça va. Oh le con, j'ai laissé un plumeau. Bon, voilà les gens. Allez, soyez sages. Mais pas trop. Mais pas trop. Allez, ciao les gens. Ciao. Et surtout, n'oubliez pas, parce que Léo fait des vidéos. Ciao. Ouais.